Tu as déjà 42 ans et demi. Tu n'as pas de fiancé. Mais le visa de mariage tend à son expiration. Le visa va expirer à l'âge de 45 ans par la ménopause. Il faut dire au Seigneur que je suis en train de partir. Tu ne vois pas. Il y a des gens comme ça, ils acceptent la souffrance. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton père désire. Tel que nous sommes là, chacun a ses goûts. Même les jeunes ici, les jeunes sœurs ici, ont les goûts de leur fiancé. Quand elles posent entre elles, il faut présenter ça à Dieu. Écoutez, papa, Yoka, vous voulez devenir gouverneur, n'ayez pas honte, demandez ça à Dieu. Ceux qui sont là ne vous dépassent en rien. Tu veux devenir député, demande ça à Dieu. D'ailleurs, moi, j'ai comparé ton français avec le français d'un député. Toi, tu es bon. Les juifs avaient présenté leur requête à Dieu. Tu ne dois pas être là tout le temps quand tu arrives. Et ton chef parle, crie sur toi chaque matin. Je voulais dire que nous devons apprendre à présenter nos problèmes au Seigneur, nos besoins. Tu fais de mauvaises prières, toi. Jamais la naille. Attends, Zangi Nonso. Pour la matembele. Mais quel est ton problème avec matembele? Vous avez un problème particulier. Comment tu peux dire que non, Nonso Zang, quand matembele? Est-ce que Matembele te doit quelque chose? Yango, ezaline loko ya kopesa yo Matembele. Nous sommes arrivés au moment où nous devons avoir les frères industriels. Oui, c'est que tous à la bande ko bazena misala minene na katne eklesia. Il faut quand même qu'on ait des frères ministres de finances. Et c'est que tous à la bande ko bazena ministre de finances. Comme ça nous-mêmes nous suivons l'actualité financière en live. Oui, tous à Ecolanda, makambo etali misolo. Awa na katne eklesia. Amen. Depuis que tu es né là. Uta obotama. Est-ce que tu as déjà eu quand même dans ta famille un membre du gouvernement? Ozwa na katne libo na libo tano ata motomo ko sali na gouvernement te ezai mala muté. Papa, tous ceux qui sont riches. Ba nyonso bazena bozwi. Tous ceux qui sont puissants. Ba nyonso bazena nguya. N'ont pas trois bras. Bango bazena maboko misato te. Si ils ont fait des fétiches, ce qui va sala kisi. Moi je vous donne le fétiche. Gai nazali ko pesa bino nganga kisi wa l'équipe nganga kisi nyonso. Moto na soloko wa l'équipe to nyonso na soloka. C'est un homme terrible celui-là. Azali moto azali ko kamusa. Il a fait des choses que personne n'avait fait. Ya sala makambo moto sala te. Il va le faire aujourd'hui. Ako sala yango lelo. J'ai dit qu'il va le faire aujourd'hui. Ako sala yango lelo. Amen. Bien-aimé. Balingami. Dieu écoute les murmures. Je vous ai dit qu'il y a deux types de murmures. Il y a les murmures orchestrés par les ramassis. Mais il y a les murmures orchestrés par l'assemblée. Ça, ce n'est pas parler contre les gens. C'est présenter des problèmes au Seigneur. Il y a des enfants qui n'amènent pas de fiancés. Mais il ne faut pas causer avec les hommes. Présente des problèmes au Seigneur. Bon, là, tapez-moi l'iputa souvenir. Et ma puta n'a pas la oh, la tane mobile na yo. La tapez l'iputa ya bo, bo kilo, et ça la kaelengi na loketo. Amen. Alléluia. Amen. Entre les deux soirs. Alléluia. Je vous avais dit ceci. Entre les deux soirs. Correspondait à la période de l'immolation de l'agneau. Aujourd'hui, entre les deux soirs. Elle représentait par la mort et la résurrection de Jésus. Il a été flagellé. Il a été frappé. Il a été humilié. À cause de ta gloire. Il a déjà porté ses souffrances dans sa chair.
Reçois cette don pourquoi il a été battu. Yo, yamba, c'est donc pourquoi il a été dévêtu. C'est donc pourquoi il a été humilié. Tu dois le recevoir dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Vous savez, à Kinshasa, les gens ne mangent pas, les gens goûtent. Tellement que la pauvreté a sévi.